Dans le contexte du travail sur le deuxième degré, un exercice classique, écrire l'expression suivante sous forme canonique en utilisant explicitement la complétion du carré, puis vérifier avec les formules directes la solution est correcte. Donc il y a bien, attention ici, de toujours bien lire les énoncés. Une première étape qui consiste à écrire l'expression en utilisant explicitement la complétion du carré, et ensuite une deuxième étape ici qui consistera à vérifier avec les formules directes. Donc, première étape, la complétion du carré. Donc mon expression est égale à x carré plus 10x. Je laisse exprès traîner ici un peu d'espace dans cette partie-là. Et l'objectif est de créer une factorisation en utilisant la première ou la deuxième identité remarquable. Donc, je vais travailler sur ce bloc-ci. Une expression qui commence par x carré plus 10x, si on la factorisait à l'aide de la première ou deuxième identité remarquable, puisque j'ai x carré, j'ai forcément x ici, puisque j'ai un plus, c'est forcément la première identité remarquable, la question qui se pose, c'est quel est le nombre qui est ici, quel nombre faut-il mettre pour que lorsque je développe x plus ce nombre au carré, ça commence par x carré plus 10x. Donc c'est bien sûr toujours la moitié de 10, c'est-à-dire 5. Pourquoi? Parce que si je fais la première identité remarquable, j'aurai bien x carré plus 2 fois x fois 5, ou bien 2 fois 5 fois x, c'est-à-dire 10x. Sauf que si je fais les choses comme ça, je vais avoir ici un plus 25 qui va arriver. Donc je dois ici compléter pour avoir un plus 25, de telle sorte que l'ensemble de ce carré parfait finisse par me donner ici cette forme développée ici. Mais bien sûr, mon expression de départ, c'est x carré plus 10x moins 1. X carré plus 10x moins 1 est là, il n'y a pas ce plus 25. Donc ce que je vais faire pour compenser, c'est que je vais soustraire ici 25. J'ai donc complété x carré plus 10x avec 25, de telle sorte à en faire un carré parfait. C'est pour ça que ça s'appelle la complétion du carré. Donc la partie rouge x carré plus 10x plus 25 me donne x plus 5 au carré. Il me reste derrière moins 25 moins 1. Si je les mets ensemble, moins 25 moins 1 qui fait moins 26. Donc l'expression écrite, alors je réécris la même chose, hein, x plus 5 au carré moins 26. Cette forme s'appelle bien sûr la forme canonique. La deuxième partie de l'exercice me demande de vérifier que les formules directes. Alors, on sait que l'expression qui est proposée, c'est-à-dire x carré plus 10x moins 1, qui est ce qu'on appelle la forme développée, on peut extraire de la forme développée les trois coefficients qui sont devant le x carré, devant le x et seul, et on les appelle a égale 1, b le deuxième, et c toujours avec le signe, le troisième. À partir de la connaissance de ABC, toutes sortes de formules qui existent, dont la formule de Viète, mais lorsqu'on cherche à obtenir la forme canonique, les trois calculs qui sont effectués sont le calcul de K, qui est égal à moins B sur 2A, donc moins 10 sur 2 fois 1, c'est-à-dire moins 5, de M, qui est égal à moins B carré moins 4AC sur 4A. Attention, c'est vraiment moins tout ça, c'est-à-dire moins 10 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1 sur 4 fois 1, c'est-à-dire 10 au carré 100. 4 fois 1 fois moins 1, ça fait moins 4. Moins moins 4, ça fait plus 4. Donc moins toujours 104 sur 4, ce qui est égal à moins 26. Et la connaissance de ces deux nombres, ça c'est la théorie qui est travaillée en classe, me dit que la forme canonique sera donnée par A fois x moins k au carré plus m, c'est-à-dire A est égal à 1, x moins moins k, x moins k qui est égal, k est égal à moins 5, donc x moins moins 5 au carré,
plus m qui est égal à moins 26. Et si je simplifie cette écriture, ça fait bien sûr x plus 5 au carré moins 26. J'ai bien retrouvé la même chose, fin de l'exercice.